Bonjour tout le monde. On va commencer malgré que j'ai pris un... Je peux juste sur le temps cette fois, donc on va attendre que tout le monde vienne. En attendant, je joue un peu. Enfin, ah, waouh, j'arrive puis déjà. C'est vrai que j'ai manqué 10 bandes parce que sont... là c'est rajusté. Ah, ça me fait plaisir, ça. Bon, ben, il va y en avoir beaucoup à débarrasser des items à vendre. Hein. De toute façon, c'est pas pour rien, c'est tout ce que j'ai pogné dans le slash mine. J'ai des surplus, je vais en enlever un peu. Non, malheureusement, ça porte pas vite. Je crois qu'ils sont un peu trop chers. Non, il doit dire, ben, franchement, il est trop cher, mec. Hein. Tu vas oublier ça. Hein. Tant pis, hein. Je vais faire juste leur faire moins cher. C'est un peu dommage, j'ai gagné plein d'argent, mais ça va être pas si facile que ça. J'ai-tu pensé à faire ce que je voulais? Attendez une seconde, je reviens. Un petit truc. Bon, j'avais coupé mon son. Bon, pas grave.
C'est un peu fourbe, hein, franchement, d'enlever un escalier dans ma structure. Bon. Donc, bon, je reviens comme d'habitude. Donc, c'est que j'ai un petit quelque chose de vite à faire. Ça m'énerve. J'ai ça un petit papier de poche, un Kleenex.
Bon, je sais pas si le chef du pays est là. Depuis tout à l'heure, je le cherche parce qu'il m'a fait un gros problème. Et je vais vous l'expliquer plus tard. Donc, bon, tu sais, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ça vaut pas trop la peine. Je sais pas, qu'il y a quelqu'un qui regarde. Qui m'a écrit quelque chose? Non. Bon, pas grave. Bon, je vais me faire KY quand j'arrive. Bon. Pas grave. Je vais juste relancer le jeu, puis je vais vous expliquer tout. Pourquoi j'ai laissé ça là? Bon. Il nous avait plein de GG partout. Bon, je vais vous expliquer parce que moi, mon histoire, c'est jamais un GG. Bon, c'est un catastrophique. Hein. Oh, c'est un désastre. Je sais pas si vous avez vu dans le dernier épisode. La semaine passée, quand j'ai fait de mon truc, c'était là dans l'épisode 10. J'ai pas fait ça en épisode. Donc, le dernier live, ben, j'avais fait un truc là. Ici. Mon espace ici que j'ai tout fait. Mon espace tranquille, ah, rien, hein. Donc je suis bien. Ben, j'ai plus accès au coffre. Et ça y est. Ok. Je veux dire que je suis là en fin de la journée avec pas la meilleure humeur parce que je suis très chialeux dans les jeux. Sauf Fortnite, je suis chialeux. Je suis très chialeux sur Fortnite. Je déteste les défis, je déteste le gameplay.
Non, c'est pas gameplay bon. Puis ici, c'était la salle où j'avais gardé toutes les. Tous les trucs. Voilà, tout ce qui est trucs pour louer. Ben, ils ont clear ça de même. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, je sais pas, moi. C'est moi de pas le faire. Non, j'aimerais pas encore. Ou c'est quelqu'un d'autre? De toute façon, à chaque fois, c'est catastrophique. Hein, mais j'ai eu le temps de farmer beaucoup d'argent entre-temps. Ah ouais, ils ont tout acheté. Oh wow. Ah, je peux dire que mes minerais n'ont pas duré longtemps. Hein. Ça, c'est quelque chose. Bon, c'est pas une fatalité, mais bon. Malheureusement, je serai obligé de retourner en Wilderness, puis ça m'énerve. Parce que j'aime pas ça, parce que ça laisse mon. Bah, mon stuff est vulnérable, là. Le pays peut me le clear gratuitement, donc c'est. Littéralement, je sais pas, je peux considérer ça comme. De la. Triche, selon moi. Parce que t'as quand même piqué le. Logiquement, en termes de jeu, bah, tu l'as comme volé tout l'argent de. T'as volé toutes les ressources de la personne. Comme ça, un claquement de doigts parce que t'es chef du pays, tu peux faire ce que tu veux. C'est un peu fourbe. Je vais essayer d'y parler. On va voir si c'est vraiment un terrible ou pas. Pour l'instant, je vais farmer du bois. Je vais farmer du bois. Non, je farme du bois si j'ai pas de hache. Là, ça va mal parce que le. Les fermes, la partie des fermes sont même pas clear. Sont pas clear, sont juste pas disponibles. J'espère que le gars va apparaître parce que ça me tendrait pas de passer toute la journée à attendre un gars juste pour quelque chose. Non, mais là, franchement, j'ai d'autres choses à foutre, moi. J'étais bien tranquille avant que ça se produise. Hein. Donc, des sticks. Putain, mon jeu est en espagnol, puis même pas. Même pas fichu des fois. Moi, juste une hache. Je crois que je pourrais faire une houe à travers. Voilà, je vais faire. Deux haches, puis une houe, puis une houe. Bon, puis ça je clear parce que je veux pas voir ça dans mon inventaire. Ouais, je juste faire mon slash home encore juste pour venir en haut parce que j'ai plus d'accès en haut. De toute façon, tout ce que je garde, c'est du stuff de merde. Donc, de toute façon, tout de mon meilleur stuff, il est à poubelle maintenant. Donc, c'est vraiment dommage. De tout ce que j'ai ramassé dans le slash mine, ben, je l'ai débarrassé. Puis là, j'ai réussi à mettre un panneau à quelque part parce qu'il y avait un chunk. D'un des propriétaires m'avait laissé un chunk pour que je puisse récupérer mon stuff. Et il a oublié de l'enlever. Bon, moi, son oubli m'est utile. Hein. Bon, pas utile à tout, mais. Peut-être la prochaine fois, je vais garder un petit plus à côté. C'est vrai que j'ai un problème ici, parce que ici, j'ai. Un carré qui a plus de. Qui est plus labouré, donc je peux plus rien faire pousser dessus. Une graine. Je sais pas si celle-là a d'autres places, mais c'est ici. C'est parce que c'est le truc ici qui est problématique. Faudrait peut-être. Je peux le réajuster, genre le reculer de 1 juste pour éviter que le monde se plante
dans le truc. Donc, je vais tout régler le problème. Voilà, là, il y a moins de chances que ça. Que je ramasse ma ferme. Puis sérieusement, qui voudrait piller cet endroit-là? C'est juste de la ferme de blé, genre. Qu'est-ce qu'il fasse? Vraiment pas grand-chose. Là, il y a un zombie qui m'attend, puis ça me fait. Non. Ah, l'ONU, fin de l'ONU. Déjà fin de l'ONU? Ah, c'est vrai qu'il y a l'ONU parce qu'il a un changement d'heure. Moi, j'ai changé d'heure en même temps, donc. Sauf une semaine. Ouais. Mais bon, ouais, c'est tant pis pour moi. Je vais me farmer des arbres des arbres à la place. Je vais vendre du bois d'arbre. J'aurais bien fait un peu de slash mine. Hein. Oh. Et l'arbre est déjà poussé. Puis. Mais c'est ça que je dis, c'est que je vais essayer de me faire accueillir par un empire, voilà. L'alliance que j'ai faite, donc c'est un peu dommage de pouvoir jeter mon pays de même après autant d'efforts, mais bon, qu'est-ce que je peux plus la récupérer, je peux plus la récupérer. Le gars, il a l'air d'y jouer, donc au moins c'est quelqu'un de plutôt investi, mais bon, ils sont seulement investis quand ils sont chefs du pays. Hein. Quand ils sont pas chefs du pays, ben ils s'en foutent. C'est sûr que c'est le bon. Déjà que j'ai supprimé par accident le serveur Irine qui aurait pu être utile dans la condition que j'ai plus de pays. Sans moi, sérieusement, je peux plus rien faire dans le pays, je peux plus rien faire. Voilà, il y a juste en Corée, je peux faire quelque chose, le reste, tant pis. Pourquoi je dépenserais pour un bâtiment que j'utilise pas, que je pourrais pas utiliser à part encore, parce que mon truc prend que 4 chunks en Corée. Ouais, bon, mais c'est nul à chier. Il y a même mieux que ça soit mieux, mais bon, ça a l'air que quand le monde sont pas sympas, ben voilà, sont pas sympas. Moi, j'attends juste qu'ils viennent. Hein. Je veux juste attendre qu'ils viennent pour que je puisse le coller. Donc, je vais tellement bien le coller en plus. C'est juste que. Ouais, en life en plus. Hein. Au pire, je vais couper ça en MP. Il va pas. Au moins, genre, moi qui m'en remette quelque chose. Hein. Puis le plus fourbe là-dedans, c'est qu'ils sont deux. Donc, c'est qu'ils sont deux. Donc, ça se peut que c'était pas à volonté d'un, mais l'autre, il a fait le con. Ça se peut, ça. Bon, de toute façon, les autres, ils ont des amis qui sont investis. Hein. Moi, j'ai l'air d'une merde. Hein. Depuis tout à l'heure, j'essaie de garder un pays, puis je suis pas capable de le garder parce que je suis tout le temps tout seul.
Puis je fais pas confiance à aucun joueur du serveur parce que je suis pas con, hein, puis après là après je viens de ce que je viens d'avoir. Attends-toi que je suis encore moins en moins sympa avec les autres joueurs. Donc ça marche plus. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne fait pas attention à ce que ça donne. En plus, je suis prêt à avoir foi de dire que le jeu il est jouable en solo. Hein. Tu peux faire des grandes choses en solo. Hein. Malgré qu'il est principalement coopératif. Hein. Bon, il y a juste des critères à respecter quand je vais me prendre un pays. Hein. Ça me dérange pas de me refarmer d'autres fermes. J'ai dit ça, mais je crois que je vais regretter de dire ça. Je sais pas combien de temps que ça me prend farmer ça, puis j'étais pas tout seul. Puis je parle que, ok, farme ça tout seul, mais c'est tout le temps gaspillé, puis j'ai d'autres choses à gérer pour le pays, donc. Pas non, un grade premium hein, qui me donnerait un peu plus de valeur. Ça va, j'ai même bien fait ça au slash vote, mais bon, quand je fais slash vote, c'est toujours terrible à chaque fois. Genre, c'est impossible de gagner de l'argent avec les slash votes à cause des joueurs qui. Va dire qu'ils bottent les votes. Donc, ils utilisent littéralement. Ils utilisent un bot pour voter. Et ça contourne toutes les sécurités, dire que je suis pas un robot. Hein? C'est contradictoire, leur système est moisi. Bon, ça a l'air lagué. Il y en a qui Je savais pas que ça faisait laguer un morceau de bois, une pousse d'arbre. Ça m'a coûté cher en pousse d'arbre, le maudit. Aïe, aïe. Ouais. Je peux dire que c'est 1 300 $ passé à la poubelle. Je crois que je vais me fermer plus d'obsidienne. Bon, peut-être que je vais me permettre maintenant, c'est parce que j'ai un pays, de le vendre moins cher. Hein, Je crois que 7 piastres, c'était trop. Puis là, plus c'était 7 piastres, mais là, il y a de la concurrence. Donc, je peux plus la vendre aussi cher. Ça m'énerve. Ben, je me plaignais que ça se vendait en 2 secondes. Au moins, ça se vend un peu plus large. Bon. Je vais passer tout le temps, je vais le passer. Puis, en plus, ça se vend encore. Ça se vend encore. Je crois qu'il y en a qui en ont acheté. De l'obsidienne. Non? Ah, ben. Au début, il y en a qui avaient acheté avant qu'il y ait de la concurrence. Donc. Ouais, pas rien de qui tienne ici. Bon, c'est vrai que là, je peux plus vraiment me le permettre. J'ai dit, il y a les 10 bandes, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est ça le truc, c'est que la réponse est, est-ce que ça vaut la peine? Selon moi, la réponse est non. Pas pour l'instant. Si je peux tout récupérer mon stuff, moi, mon stuff, il a plus de valeur qu'un pays. Tout le stuff que j'ai, toutes les ressources, hein, En plus, j'ai 3 électriques collecteurs.
Bon, malgré que ça des fois ça vaut plus rien. Il y en a qui vendent ça pour des bouchées de pain. Limite, je vais en profiter quand ils vendent ça 100 pièces parce que tout dépend si pour moi ça vaut le prix hein. C'est ça le plus horrible, c'est qu'est-ce que ça vaut le prix? Souvent non. Malgré qu'un conseil je peux dire, c'est que conseiller d'acheter en bloc les ressources. Les ressources tout à 1 $, ça veut dire le cuivre, hein, le copper, le thym, vous êtes capable de le vendre encore en lingots. Mais bon, s'il tombe à 1 $, c'est plus intéressant de le vendre en bloc. Donc c'est vraiment un jeu particulier. Hein. Ah ben j'ai quand même gagné 12 000 $ avec l'autre. Donc il doit avoir un petit répit pour tout le monde qui doit acheter de l'obsidienne comme ils ont acheté de l'obsidienne. Ça c'est un petit facteur à prendre en compte hein, aussi des fois quand on fait du marketing comme on fait. Bon, je le vends cher. J'espère que ça va se vendre. Hein. Peut-être le gars qui a 10 millions de dollars à dépenser en obsidienne, ben il va le dépenser en obsidienne. Non, c'est vraiment un fou. Il faut que je monte le screenshot. J'ai fait le screenshot de 1. Voilà. C'était juste 1. Parce qu'on peut voir c'est qui nous a acheté les trucs. Je devrais genre faire une fleur à cette personne-là et donner un petit truc gratuit à côté. C'est fou ben, au prix qu'il a payé. Ah, c'est vrai, des lags spike. Non, c'est même pas des. C'est des lags de connexion, ça. Ils prennent trop de temps, donc ils ont quand même. Ah, ben non, finalement. Oups. Non, on peut pas miner, finalement. Ben, il prend 10 ans à réagir, donc c'est pas mieux. Ça m'étonne pas au ping que j'ai. Pas si terrible, hein. Franchement, il y a des pings beaucoup plus violents que ceux-là, hein. En latence. Hein. Des fois, je tombe à 108, 111. Il y a un moment où j'étais à 111, là, 108. Hein. Bon, pas grave, je vais continuer pareil. Je vais essayer de m'arranger au gars. Ça va être mieux. Sans moi, il peut au moins m'ordonner accès. À moi. Tu me donnes l'accès, tu me fiches la paix. Hein, comme, je vais tourner encore très bien. Est-ce quelque chose qui est tombé? Oui, il y a quelque chose qui est tombé. Puis moi, je me chie directement. Au pire, je vais récolter du melon. Qu'est-ce que je voulais faire avec? Ah oui, faire du combustible, hein, voilà. C'est quand le vendre, ben c'est ça, je vais vendre plein, 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 plein de. Bon, ça sert à rien de passer par là. Je vais me prendre autant de dégâts de chute. Ben, c'est vrai, je peux éviter les dégâts de chute avec le double jump boost. Le double jump boot. Je crève avec ça va me cacher. Je me demande qu'est-ce qu'il avait en tête de tout démolir ça parce que c'était bien correct. Hein. J'aurais dû mettre 4
J'aurais dû mettre 49,99 pour que ça soit passable. Compris, je passe toutes mes. Ah, je peux dire faire le stack de bois de même, c'est plus rapide que celui d'obsidienne. Bon, l'obsidienne, il me reste encore des optimisations. Ça... Allô? Axumolt? Moi, je ferme du bois. J'ai enfin fini mon skills en lumber avec le nombre de bois que j'ai miné. Pas loin quand même, pas loin. Ou le jeu aime pas ça. Donc, on va pas aimer ça. Je pense que ça va faire du bien quand même, avoir du monde un peu. Je trouve ça très tranquille, hein. Je parle tout seul, littéralement. Je me demande que je devrais faire comme vidéo pour cette semaine. Est-ce que j'ai tout passé les. J'ai tout parlé de toutes les cartes. Oh, je pourrais parler du connecteur d'NVIDIA. Ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a un côté physique sur ce problème? Puis pourtant, on le voyait à des kilomètres, ce problème-là, donc. Bon, regarde, je vais faire juste plus de ramassage de. Peut-être je vais faire un petit tour en serveur minage à travers. C'est vrai, je voulais faire du bois de même, faire des sticks, puis foutre ça dans les incinérateurs. Non, c'était seulement pour les poubelles, ben non, moi j'utilise ça pour d'autres choses. Ouais, non, directement. Vraiment, c'est fort dommage. Je trouve que l'incinérateur, il est nul. Genre, comparé d'un. Comment je pourrais dire ça? Un incinérateur, ça vaut rien comparé d'un. Comment on pourrait dire? D'un cold generator. C'est vraiment horrible. Genre, cold generator, 10. Voyons, 10 kilowatts direct. Ça prend pas de temps avant de les atteindre. Genre, au bout de deux charbons consommés, là, ça prend les. Ça prend les 10 kilowatts sans problème. Ben, moi, je fais dur. Je sais pas si ça se vend du charbon bois. Le problème, c'est qu'on peut pas faire des blocs avec le charbon bois. On peut faire ça avec le charbon normal, mais pas le charbon bois. C'est un peu bizarre. Peut-être faire une exception dans ce cas-ci. Peut-être mieux pour faire des. Comme du charbon, mais avec plus de marge. Parce que moi, miner du bois, hey, je peux faire ça à longueur de journée. Ça, c'est loin d'être un problème. Miner du bois avec moi, c'est effrayant tellement que je suis patient en minant du bois. Même je suis en train de me chauffer le poignet à chaque fois à force de tourner. Oh, le poignet bien entraîné, hein. Il devrait pas avoir de problème. Juste voir parce que j'ai besoin de me renseigner sur quelque chose.
Discord du serveur. Parce que par accident, je l'ai supprimé. Mais là, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce Discord-là. Puis c'est pour voir les. Mais il met l'information. Est-ce que ça passe? Voilà. Commu Green, on va voir. Nom d'utilisateur. Il n'y en a pas grand-chose. Ouais, c'est quoi ce problème-là? Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que je l'ai? Ah, je déteste certains trucs. J'ai donné l'adresse internet, ça me fait un nouveau truc. Je sais pas que c'est pas un nouveau compte parce que hey, j'en ai déjà un, puis l'autre, je l'utilise même pas. Bon, ben, je crois que je vais me connecter sur Discord en avance. À partir de navigateur internet. Donc, c'est un peu dommage que ça ait pas marché comme je veux. Je vais réessayer. Ah merde. Je vais tout de suite faire ceux-là en attendant les slash votes que j'aime bien. Que j'ai pas fait parce que j'étais préoccupé après quelque chose. Une mère agitée. Elle va être très agitée avec des éclairs puis des bon, je crois qu'il y a juste ceux-là. Je devrais être correct. Ça, j'ai oublié pour la fin du mois. Attends, juste me repogner Discord. Ce serait pas mal bien. Est-ce qu'il m'a vraiment pris genre à partir d'un autre? Ouais, ça a de l'air vraiment. Ah, oh, c'est fourbe. Ah, oh, mais pourquoi ils font des affaires, des conneries Discord? Pourquoi vous faites ça pour créer un nouveau compte? Moi, j'ai cru que c'était juste. Ah, non, mais c'est pas ça. Après, là, j'ai un autre compte qui sert à rien. Ah. Oh. Dégage-moi cette merde. Pourquoi Discord fait de la merde? Hein? C'est pour ça que j'utilise pas le navigateur, mais il me laisse jamais quand c'est le cas. En plus, quand je vais sur Internet, ben, il m'envoie n'importe où. Discord. Aïe aïe. Ouvrir Discord. Hein? Oui. Parce que je vais l'ouvrir sur un navigateur pour un truc. Ah non, mais je veux pas me créer un compte, je m'en tape de ce compte. Ah, je vais mettre trois chiffres à au hasard, puis. Je suis pas sûr qu'il va me laisser, hein, ouais, 2000. Voilà, j'aime bien les cordes de quad. Non. Débarrasse-moi cette merde. Changer de compte. Je vais juste la débarrasser.
bien. Ah, des fois, je préfère mieux que ça soit pas bien, que ça soit mieux, beaucoup mieux foutu côté. Voilà, si je le fais. Est-ce que je l'ai encore en... Bon, il y a eu le temps de se dissiper, c'est génial. Hein? Je veux juste un serveur Discord. Pourquoi c'est autant pourri? Hein? C'est quoi ça? Télécharger des applications, explorer les serveurs publics. Est-ce qu'ils sont publics, les serveurs? Hein? Gaming. Ah, yeah. C'est compliqué. Est-ce qu'elle green? Je veux le green. Pourquoi mon micro est coupé? Ouais. Bof. Divertissement, bof, événement, non, jeu de rôle, non plus, musique, histoire, mais ça s'en fiche, tout, puis la médecine. Non, c'est de la chenotte. Je vais attendre que le lien revienne. Il l'a même pas. Hein, je crois que je peux toujours aller piller les bases en Wilderness. Ah, génial. Bon, ben tant pis. C'était du serveur, ben échoué. Ah, je suis vraiment dur. À chaque fois, je fais dur. À chaque fois, il y a tant, genre, la journée d'avant, un problème. C'était la journée avant là. J'ai l'impression qu'ils font exprès. Hein. C'est trop bien coordonné. J'ai envie de prendre une phase de défeuillage avant d'attaquer d'autres choses. Ça va passer le temps des feuillets à chaque fois. Mais après, je peux vendre mes pousses de jungle, hein, même si ça se vend pas. Ça, je peux dire que les pousses de jungle, ça se vend pas. Ah oui, ça se vend. Parce que j'ai essayé d'en acheter. Faux, hein, faux pour moi. J'ai essayé d'en acheter, donc. Non, ça se vend. Mais bon, c'est pas tout le monde qui va en bénéficier, hein, donc c'est un peu. Ben, je me demande qui on sait, qui a 700. Allô?
Encore des problèmes. Je sais pas si ça t'intéresserait que je te le montre. Tellement que c'est horrible. C'est un peu dommage, je suis plus chef du pays, ça m'énerve. Puis là, je suis ultra bridé, ça m'énerve. C'est horrible. Oui, non. Non. Non, ça va pas. Je suis rendu à miner du bois au Wilderness. Sinon, ça marche pas. Ça marche. Non, je peux plus rien faire dans mon pays, c'est chiant. Ah, c'est certainement que je te le montre. Pas c'est le son. Non, j'ai changé de son, il n'a pas fait grand-chose. On peut va te le montrer tellement que c'est chiant. Il y a du monde qui chef du pays. Moi, je dis, je vais prendre un pays tranquille, je vais être correct. Bon, ça, c'est tout correct. Je dis, ah, oh, il y a quelque chose à vendre avec des petits espaces à vendre. Ben, je m'ai fait un petit espace. Ici. Je peux utiliser les coffres. Là, je dis, bon, ben, ok, c'est parce que sûrement mon truc a expiré, donc. Je suis allé voir. Ou, ok, finalement, c'est même pas un truc de mon truc a expiré. Quelqu'un a exactement pété les panneaux pour louer. Je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire, c'est fini. Hein. Là, il faudrait que j'attende d'aller chercher le gars. Ils sont deux, donc. Un des deux. Parce que tout mon stuff sont dans mes coffres ici. Oui, ils sont en sûreté parce qu'ils sont dans le pays, mais bon, on ne sont pas en sûreté parce que l'autre, il peut tellement me le piller gratuitement. Puis s'il m'envoie chier, ben moi j'amène le stuff contre lui parce que c'est un peu vache qui est faite. Attends, attends, faut que je leur dise encore. Vache. Voilà, vache. Je vais le muer dans la face. Ah. Là, faut encore que je retourne à la case départ. En Wilderness, je vais fermer du blé à la place. Moins problématique. Non, je ferme du bois à la place. Voilà, je me fais plein de bois. Je vais me faire de l'argent serveur minage. Je vais m'acheter un. Non, je vais pas m'acheter un autre pays. C'est quand tu vas être disponible, toi? T'as une gueule de merde. Monsieur, il se fait de l'argent en plus. Puis. J'ai fait exprès de reprendre. Il y avait deux actions ici, mais au bout, par là, il y a plus. Donc, c'est vraiment terrible. Ils sont deux, donc. Même trois. Ah, wow, hein, ils ont vraiment confiance. Hein. Moi, j'ai de la d'une merde à côté. Hein. Mais moi, j'ai pas le droit à ça. Je suis là avant lui, j'ai même pas le droit à ça. Bon, sûrement un. Mate, voilà. Ben, un des anciens propriétaires me laissait un chunk. Donc, me laissait un chunk dans la salle principale. Je le remercie. Hein, voilà, je le remercie. J'ai cette zone, juste tout ce coin-là que je peux faire ce que je veux avec. Moi, j'ai me foutu un panneau ici, dit. Hey, contacte-moi Discord parce que là, y a un problème là. C'est ça le truc, il y a un problème. Bon, il y a un gros problème pour moi. Hein. Aïe aïe. Donc, je vais avoir les fesses serrées toutes les. Pendant le juste attend que j'aie tout fait. Donc t'attends que ce problème soit réglé. Est-ce qu'il va être réglé, je sais pas. Ça dépend si la personne est compréhensive ou c'est une grosse merde. Hein. Parce que je sens la grosse merde. Hein. En plus. Pas exactement pareil, hein, vraiment, parce que.
Peut-être c'est même pas le chef du pays qui l'a fait, peut-être son officier à côté, donc ça se peut. Bon, au pire, tant mieux qu'il le vire, hein, moi. Je vais récupérer mon stock, je vais quitter le pays. Hein. Je vais essayer de m'en pogner un, bon, et qui va me coûter cher, parce que c'est impossible de payer pas cher pour ça. Je trouve que j'ai payé cher parce qu'il n'y avait même pas de ferme. Ou des fermes pas super, vraiment. C'est limite farfelu comme ferme, franchement. Mais bon. Oh oui, je suis allé dans pas mal, hein. Bon, il y a une bonne nouvelle, hein. Une bonne nouvelle, c'est que lui, au moins, il joue. Mais il joue quand? Moi, je passe pas mes journées, mes 24 heures de ma journée, sur le jeu, donc. Ça commence à être emmerdant. C'est quoi, je vais demander à tous les serveurs, dire. Ok, si ce joueur-là se connecte, fais-moi sonner l'alarme à fond. Voilà. On m'a dit à moi qui joue pour que j'aille lui parler. Non, je vais me prendre le Québec à la place, ça va mieux. Ah, c'est vrai, j'ai dans le serveur Discord, ben je vais juste dire que j'ai failli quitter mon pays, puis. Enfin, bon, évidemment, on va dire que la perte du pays, c'était un arnaque. Hein, voilà, encore, parce que. Les seuls qui restent, c'est pour arnaquer. C'est comme ça que c'est vraiment dommage. Hein, vraiment, j'ai aucune personne de confiance et ça fait vraiment mal. Limite que faire du jeu en solo, c'est impossible. Hein. Voilà, c'est ça, c'est limite impossible. Peut-être j'ai d'autres idées de façon que je vais le faire, genre avec des zones restreintes. Des zones que je vais noter spécialisées pour son, bon, si son citoyen peuvent build, ben ils peuvent seulement build sur celui-là parce que j'ai pas confiance aux autres. J'ai dit, pas le droit de toucher au coffre, ben ouais, s'ils peuvent péter les coffres, c'est pas mieux. Qui vend de la glowstone? Personne. Moi j'attends 14 pour la glowstone. Et je vais serrer. Vraiment, je vais prendre le virage serré sur la glowstone, hein, parce que. L'obsidienne, ça marche plus. Zéro glowstone. C'est sûr, il y en a plus. Ah, y en a. Y en a. Dans le coin que j'ai accès, ben, j'ai accès. J'ai accès avec le truc. En plus, c'est moi qui ai tout build. Donc, finalement, je peux pas vous dire que j'ai mal fait. Bon, ben. Ouais. Peut-être je vais. Sur moi, je vais le faire vendre le plein prix. Je vais le vendre 10$ la Glowstone. Bon, c'est vrai qu'il y a des meilleurs moyens aussi. Ah, je sais pas où sont passés mes blocs de Glowstone. Ah, ben oui, comme d'habitude, ils ont dit que piller. Hein. Parce que c'est pareil, c'est une histoire de pillage. Je crois que je les ai laissés, mais juste parce que j'ai plus accès, c'est mort. Mais je crois que. Ah, j'aurais dit peut-être Guillaume pourrait le faire. Mais je suis pas sûr. Parce que je sais que lui qui avait un chunk à lui, donc. C'est sûr que c'est un ami que je connais un peu plus de manière sérieuse, donc c'est plus facile de l'accepter, cela. J'ai que ça en emmenait deux, mais bon, ils sont pas trop là. Donc,
Bon, là, je crois que j'ai assez ramassé de bois. Hein. J'en ai 6 stacks. Je vais les vendre. Hein, voilà. Je vais faire comme d'habitude, je vais les vendre. Non, je vais sûrement dans le serveur minage. Parce qu'il n'y a pas ceux qui vont venir. Je vais finir mon reste dans le serveur minage. Je vais essayer de récolter le maximum de ressources dans le serveur minage. J'adore la touche F6, ça me fait quitter direct. Voilà, serveur minage, je vais aller farmer comme ça se peut pas. Après, je vais utiliser mon spruce pour aller vendre ça. J'aurais pas mal pour vendre de un c'est quoi un inventaire complet de d'aluminium. Okay. Non, c'était de thym. Il avait ça, un inventaire complet de thym. Je suis comme, non, mais comment ils font? C'est plus normal. Là. Du charbon en plus, ça part déjà mal. Ah, j'ai déjà un peu de minerai, c'est déjà bon signe. Ah oui, c'est vrai, j'en ai ramassé un peu avec le tour à 23 h sur les serveurs se reset. Je peux faire un petit tour de serveur minage en attendant que ça repogne. Je sais pas si ça se reset. J'espère que ça se reset. Genre. Alors, franchement, les trucs sont vraiment pas rentables. Peux pas rentabiliser ça, c'est trop nul. Voilà, je vais faire celui-là. Wow! Ok, des trous partout. L'autre, il mine ça de même, mais il s'en fout. Ça, c'est miné en mode je m'en bats les steaks. Genre, il mine comme ça, mais on s'en fout de toutes les minages. Genre, il mine, mais il vide toutes les minerais. Comment c'est faisable ça? Le but, c'est de ramasser des minerais, pas de les laisser à côté, puis quelqu'un d'autre les ramasse à côté. Bon, ben, pas. C'est moi qui en profite, donc pourquoi je chialerais? Ouais. Mais c'est un peu bizarre comme. Voyons comme truc. Moi, avec mon 17 000, j'ai tellement miné souvent. Hein, c'est. Bon, moi, ça me détend les slash mines. Je peux faire d'autres choses. Donc, je vais ramasser le maximum en ressources. Je vais revendre tout. Le fer qui est pas trop bon à se revendre. Même le mithril, puis l'adamantium, même pas. Selon moi, vraiment les minerais les plus essentiels, les minerais thym, copper, même coal qui est très populaire à vendre, copper pareil, thym, aluminium. Aluminium, je trouve que c'est le mieux. Bon, ça dépend du prix qu'ils vendent. Hein. Mais je crois que si tu fais un tour sur le serveur minage à chaque fois, je crois que ça devrait pas être problématique. Quelqu'un qui est très serveur minage. Oh, et là, je peux dire que ce gars-là doit se faire de l'argent à rien. Ah oh, non, je fais plus d'argent en obsidienne. Ah, oh, c'est vrai, faut que je vous montre ça. Non, je suis en train de l'oublier. Hein. Regardez-moi ça. J'ouvre ça, j'ouvre ça. Capture. Là où je trouve la bonne image. Je crois que c'est celui-là, sûrement. Attends, c'est quoi ça? C'est. Ah oui, quelqu'un qui achète pour 727 blocs de gravel. Je me demande comment ils font. Je me demande comment ils font. Dans ma... Bon, moi, c'est 1 $, donc c'est moins pire. C'est pas le plus pire. Ou quelqu'un qui achète plein de terre. Ah là, je peux dire. Qui achète de la terre? Oh, c'est même pas bon en plus, c'est même pas le bon. Peut-être c'est celui-là, non? Peut-être c'est celui-là? Peut-être celui-là. Ah oui, là on rigole plus. J'ai vendu mon obsidienne 6 $. Là, pour en acheter pour 2024, quasiment l'inventaire complet. Là, il doit rester même pas. Il doit même pas rester 4 stacks la différence. Juste comme ça, 2048 d'obsidienne pour 12 288 $.
Hey, je peux te dire, tu passes de pauvre à riche juste avec de l'obsidienne avec ça. Aïe aïe. Vraiment un bon résultat, ça. C'est un peu dommage que ça se vend plus comme ça se vend. Oh, peut-être s'il y a plus le choix, puis t'as le gros vendeur qui achète. Il achète 2 millions en obsidienne. Hein. Je trouvais que dans ce coin-là, j'avais le monopole. Hein. En termes d'obsidienne, il y a plus de concurrence. Personne ne me forme de l'obsidienne. Là, tout le monde en farm à la dernière seconde. Je vais continuer à en farm. Et je pourrais pas les garder en. Je pourrais pas les garder en. Dans le pays, malheureusement, les coups, j'ai plus accès au coffre. Donc, tant pis. Vraiment, c'est en train d'augmenter les prix. Ah, tu dis, je te le montre là. Ah, le live qui a crash, moi. Ça. Ah, est-ce que tu l'as vu le truc que j'ai montré? Je sais pas avec les. Voyons, avec les achats, il faut. Non, je dois remonter ça une deuxième fois, c'est trop. Juste ça. Non, non. Ben, y a moi ça. Qui serait prêt à acheter pour 12 000 piastres d'obsidienne? 12 000 dollars d'obsidienne. J'ai ça, mais je dis non, mais sérieux. Ils veulent vendre plus cher rendu là. Il n'y a plus de concurrence, puis tout le monde me l'achète en une journée. Donc, je le vends plus cher. Déjà que la saison des. Ben oui, il y en a qui sont prêts à acheter plus cher que du tibor pour de l'obsidienne. Il doit se faire un volcan, lui. Ouais. Ce soit une ville en obsidienne. Soit une ville en obsidienne. Soit un volcan. c'est pas possible, ça. Il y a quelqu'un qui a pas d'allure là-dedans. C'est quoi? Il a tout vidé ses slash votes. C'est le prix d'une nota, mais en une obsidienne. En plus, il a quasiment acheté l'inventaire d'obsidienne. J'ai dit, non, mais faut que je craigne ça. C'est pas possible. Hein. Non, mais vraiment. Il y en a qui sont bizarres. Hein. Il y en a qui sont bizarres, sont. On va dire dépenseurs compulsifs. Hein, pour dire quand tu l'as. Il a acheté vraiment de manière compulsive de l'obsidienne. Il doit bien aimer l'obsidienne. Pour payer aussi cher. Ah, et puis en plus, le prix était un peu absurde. Vraiment aussi. Hein. Il y en a qui se casseraient les fesses quand même. Hein, quand même. Hein. Quand même beaucoup d'argent à travers. Ah, je suis au bout. Je peux toujours baiser. Je peux trop mettre celle-là. Oh oui, le watt, il est toujours là. Ouais. Hein, c'est pas vraiment ce qui est négligeable à ce prix-là. Ah, hein. Oh, wow. Non, mais. Le problème, c'est que. Ok! Mais autant! Aïe aïe, c'est vraiment. Même moi, j'achèterais même pas autant. Je vais me contenter d'un stack, je vais bien avec un stack d'obsidienne. Non, mais vraiment, c'est plus possible, là. Il s'est ruiné à l'obsidienne. Je me demande qui gagnera autant. Hein. Ah, peut-être que je peux taper son nom pour le pogner. Bah, c'est vrai, je suis pas dans le serveur, donc je pourrais pas le montrer. Non, mais sérieusement, ça doit être un chef du pays qui a une grosse cote de notation hein, pour acheter autant d'obsidienne. Ah non, il. Je vais en parler longtemps. Hein, je crois que c'était ça hier ou avant-hier. Selon moi, c'est avant-hier. Ouais. Avant-hier, j'ai farmé le petit. Non, c'était vraiment avant-hier, j'ai reçu le. Avant-hier, j'ai reçu le truc. Hein. Donc, tant je fais. Je me demande à quoi lui.
Salut ça. Je sais pas, mais moi je me demande. Hein. À faire un volcan sûrement. Il va recréer Pompéi, ça doit être ça. C'est un peu dommage. Est-ce qu'il va y avoir du monde en obsidienne? Non, non. Autant. Hein. Puis, y compris, c'est pas la première fois que quelqu'un achète autant d'obsidienne. Hein. Il m'a acheté pour 1920 d'obsidienne. Bon, sûrement celui-là était à 4$, donc. Parce qu'entre-temps, j'ai doublé le prix. J'ai augmenté 50% du prix à cause de la non-concurrence. Je peux le retourner à 42$, mais je profitais bien du 6$ de l'obsidienne. Il y en a qui l'ont pas plus, peut-être qu'ils ont trouvé ça trop cher. Oui, c'est ça, un volcan, ils ont refait Pompéi. Voilà, c'est. Voilà, je crois que j'ai trouvé la raison. Donc. Aïe, 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 aïe. Selon moi, la meilleure façon, c'est de ne pas savoir parce que ça doit être totalement irrationnel là, en termes de comportement. Non, moi, je mine comme un gros. Voilà, je mine parce que voilà, j'augmente mon. Ouais, moi aussi, je vais faire mon Pompéi, mais en aluminium. Ça va être beaucoup plus logique. Ouais, j'ai encore changé de level. Trop facile de monter de level dans ce serveur-là. Je me demande si je vais tomber sur des pioches en. Là, il doit être en Ashton. Là, c'est quoi ça? C'est des. Ah, il bouge pas aux pioches de level 12. Ah, ça c'est dommage. Pourquoi il met pas un pioche Instabreak? Ça va être beaucoup plus intéressant. Tu sais, genre, après un certain niveau, ah, pioche level 20. Voilà un exemple. Parce que je m'en vais pour le level 20. Pioche avec voyons, efficacité 6. Nous, il y avait ça, une efficacité 6 à Instabreak la roche. C'est tellement parfait comme pioche. C'est juste que c'était en Ashton pis ça durait pas. Moi, je connais beaucoup de. Ah oui, vraiment. Pour moi, tous mes minerais que j'ai récoltés, ben, sont tous là. Je vais revenir un peu à la fin du live pour voir si le gars est encore là. Je vais aller le coller. Oui. Ah ouais, faut que je mine. Ah, je crois que. Non, je crois que toi, t'étais celui qui jouait sur Xbox. Donc. qui jouait sur Xbox. Non, qui jouait sur Bedrock. Mais non. Xbox, c'est nul. Quand t'as un PC, tu lances. Sérieusement, quand t'as un PC, t'es comme fuck les consoles. Voilà. Moi, c'était pas mal ce résultat-là que ça donnait. Hein. Les consoles. Ok, bon, vraiment, les nouvelles sont pas achetables. Les nouvelles sont pas achetables. Tu pourrais prendre un PC d'occasion et. Ouais, PC d'occasion avec une. Bon, pas un très gros processeur, facilement upgradable. Genre, tu pourrais t'acheter ça aux upgrades, littéralement. Et ils sont payés par défaut moins cher. Juste en changeant des pièces d'ordi. Là, c'est très simple. Bon, je suis sûr de mon PC, je l'ai gardé 10 ans. Une console, plus difficile. Une console. Malgré qu'il va avoir bientôt 10 ans la PS4. Il commence avec papy, hein, la PS4. Hein. Ou puis je vends le mithril direct en minerai. Mithril à 1$. Je crois qu'il était même pas.
J'avais quelque chose à faire avec. Ah oui, je vais être vraiment imperméable aux arnaques. Après, le nombre de fois que je me suis fait arnaquer sur le jeu. Je devrais plus me faire arnaquer jamais. Hein. Bon, au moins, j'espère que je vais pas en. Peut-être je vais voir genre un des nouveaux pays. S'ils ouvrent leur pays. Bon. Non, juste avant, je veux juste vérifier. Peut-être vérifier avec le gars s'il peut au moins m'ordonner le stuff. Je vais la mettre de côté. Le problème, c'est que mon système il était très parfait. Genre, t'avais un safety. Bon, à part peut-être parce que il y avait pas. Mais en réalité, c'était facile plutôt à faire, franchement. Quand je remarque bien, ben, c'est pas si compliqué. S'il veut s'en débarrasser, s'il veut se réinitialiser, ben, il prend juste un Demarcation Axe. Puis assurer de le réajuster à chaque fois. Donc, c'est ça le truc, c'est que. Ce qu'il a pas fait, hein. Il aurait pu le faire, il aurait pu prendre une Demarcation Axe, redimensionner les trucs, l'entrée, puis juste reset le panneau. Bon, il a pas fait ça, il a tout rayé parce que je crois qu'il comprend. En tout des cerveaux légumes selon moi, quand ils connaissent rien. En plus, une innovation que j'ai vue, puis c'était vraiment intéressant. Bon, mais ça a l'air que je suis pas intéressant. Ça fait quand même pays que j'ai réussi avec chef, puis ça. J'ai dû tomber parce que voilà. Bon, il y avait le serveur Pink. Pink, c'était-tu le Pink ou c'était le Purple? Ben, il y avait les deux, voilà, il y avait les deux. Je crois que c'était le Pink. Toi, tu joues à d'autres jeux? Oui, c'est juste que je les fais pas en live. Je jouerais plus à. Dans les jeux. Je veux savoir quel autre jeu que je joue que Nation Glory. C'est ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de décalage. Je sais pas si j'avais dit que j'avais une chaîne YouTube, et quand je regarde les rediffusions, ben c'est sur les chaînes YouTube. Hein. Et quand je fais ma rediffusion Twitch, c'est sur la chaîne YouTube directement. Twitch propose pas ça. Ben, pas à ma connaissance. Ah oui, du diam. Yes, plein de diam. Oh, ouais, j'ai plein de diam. Mais si c'est pour d'autres jeux que je joue mais que je stream pas, bon, dans les jeux il y a Nation Glory par défaut. Il y a Minecraft Java mais j'y touche pas trop. Voilà, après je faisais des vidéos sur Minecraft Java. Il y avait Minecraft Bedrock, je faisais de la survie pour débloquer des achievements. Mais il finissait par bugger à longue, donc ça m'énervait. Non, je les ai redébuggés après. En tweakant dans les trucs Windows, oh, c'est insupportable ça. Dans mes jeux plus compétitifs, Fortnite Apex. Voilà, dans le compétitif, même si Fortnite, je me débrouille plutôt bien, mais. Ah, il y a une anecdote que j'ai dit là-dessus. Ok. Vraiment, avant que je joue à Apex, franchement, mon shoot était terrible.
Vraiment, tout ce qu'il y avait de plus mauvais. Vraiment, le show, je manquais toutes mes balles. C'était catastrophique. Après, je joue 2-3 mois Apex. Je retourne sur Fortnite. J'aime bot tout le monde. Voilà, je shoot God sur le. Non, c'est pas exactement pareil. Je manque encore plein de fois mes balles, mais j'ai plus de tranquillité, plus de shoot dans ma façon de faire. Oh, non, il y a pas juste mes performances. Il y a aussi la carte graphique en plus qui a bien. Parce qu'entre-temps, j'ai une meilleure carte graphique, donc. Qui est même pas capable de tourner Fortnite de manière fluide à 54 FPS. High quality, j'ai la meilleure carte, il tourne même pas bien. Donc, voyons ce qu'ils sont là. Non, mais ils sont bizarres. C'est pas dans le jeu. Il disait c'est un gros chien qui jappe. Mais je dis un chien qui jappe comme avec un bruit de même. Non, non, c'est. Aussi pour dire c'est pas dans le jeu. Pourquoi il n'y a pas de son? Est-ce que tout d'un coup il l'aurait mis genre sur un autre? Je vais allumer mon ampli, je vais voir si c'est. On va checker d'autres choses. Je sais pas si vous entendez le son du jeu, par exemple. Parce que moi, ça bouge pas trop. Donc, vous jouez en muet, hein, donc. Ah, je vais bien avoir plein de minerais. Je veux plein de minerais. Je veux vendre ça à plein prix pour que je puisse m'acheter un pays avec, justement. En plus, c'est tellement genre miner de manière passive. Genre, tu mines, tu cuis les minerais, après tu vends. Je crois que tu peux bien vendre tout 1$. Malgré que le charbon, le bloc de charbon, tu le vends 1$. Il est plus rentable que. Ton charbon, ton bloc de charbon, il est plus rentable avec une pioche fortune. Pour avoir plus de minerais par. Plus de. Plus de charbon par bloc miné, donc c'est intéressant. Ah, ouais, j'ai oublié, j'ai tout le sur le sujet, je continue avec les jeux. Un jeu GTA que je le trouve insupportable à jouer. Les serveurs, tu sais, genre, il y a vraiment le truc vraiment particulier de. Ah, les serveurs. Non, c'est pas les serveurs. Ah, il y a juste des bugs de chargement tout le temps. Genre, t'arrives dans un bâtiment. Là, ça fait écran noir. Ça charge le jeu charge le. Ben, c'est même pas le jeu qui s'en occupe. Je vais revenir. Puis, bon, il y avait d'autres jeux. Il y a des jeux que j'ai essayé. Ah, Crossout aussi. Hein. Non, mais c'est pas très compétitif comme jeu. Non, c'est compétitif d'une façon, mais c'est pas compétitif compétitif. Pas compétitif à la Apex ou Fortnite. C'est totalement une autre catégorie. Ok, c'est. Le son il est buggé, hein, sûrement. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose. Parce que la barre audio, pourtant c'est celui du bureau, mais il n'y a aucune. Ça branche pas, il y a pas rien. C'est-tu parce que le truc il est pas là, mais bon, hein, ça m'étonnerait. Donc c'est ça. Principalement Apex Crossout Fortnite. GTA, si le jeu marche bien. Parce qu'il y a une fois que j'ai arrêté de jouer pendant un petit bout de temps parce que je trouvais vraiment les bugs de chargement insupportables. Genre,
Tu fais même pas rentrer et sortir, tu as déjà des problèmes de chargement. Donc, c'est lié au serveur, hein, pour préciser, c'est le serveur qui gère les chargements. Ce qu'on pourrait dire, c'est pas le jeu. Non, le jeu, il n'y a rien à foutre. Lui, quelqu'un joue en mode histoire qui ne demande pas de serveur au loin, ben ça bug pas. Quand c'est dans le jeu normal, ça bug jamais les chargements. Normalement, il n'y en a pas, mais bon. Ben, il y en a très peu. Hein. Mais bon, quand je me connecte sur le mode histoire, quand je joue à GTA, puis je passe par le mode histoire en premier, ça bug beaucoup moins. Mais gratte et on touche à des serveurs, là, il y a tous les bugs de chargement qui sont vraiment pénibles. Ben, puis, je rapproche les serveurs, mais tous les cheaters dans la partie qui foutent le bordel dans la session, ça m'étonne pas que les serveurs aillent mal. Oh, je crois que j'ai eu un rollback. Ah, c'est ça. Ah, bon, je peux pas dire que Nation Glory n'a pas des bugs serveurs. Oh, je crois que ça venait de moi, finalement. J'ai eu un message. Ah, mon life est un peu planté. Mon ordi dit, hey, ben, message d'OBS qui dit, ben, ton stream a été interrompu. Ben, oui, ça se voit ce jeu, j'ai eu un petit problème de connexion. Je tourne sur le Wi-Fi, hein, j'ai pas de comme internet accessible où je suis, donc c'est un peu dommage, c'est un point noir. Malgré que ma carte Wi-Fi sur ma carte mère est très très bonne. Le Wi-Fi sur ma carte mère est très 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 bonne, donc c'est pas absolument un problème. Malgré que j'ai pas vu de Wi-Fi en PC standard ou en Parisa. Donc moi. Ah, si, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte pour mon PC. Pour avoir du DVI qui a même plus les cartes graphiques aujourd'hui. Hey, c'est décevant ça. Donc si tu veux mettre une vieille écran, parce que tu as juste ça des vieilles écrans, ben tu sèches. Ou tu veux t'acheter un adaptateur. C'est non, vraiment j'ai d'autres choses à foutre que me battre après des adaptateurs puis des je sais pas trop quoi et des je sais pas trop quoi pour des histoires de connectique, hein, donc de connecteurs vidéo. D'autres choses, moi, à faire. D'autres choses à penser. Ouais, moi, il y a beaucoup de monde sur le serveur minage. Après, moi, je mine comme une machine. Je sais pas si ça se vend bien du marbre. Mais je suis pas dans le meilleur serveur pour miner du marbre. Pour des raisons que soit ça mine comme le marbre se mine comme du minerai normal. Pareil pour le charbon. Le charbon, tu pourrais en trouver deux fois plus, hein. Ça, puis le fer, tu peux en ramasser énormément en très peu de temps. Ceux-là, c'est vraiment des minerais plus particuliers, genre l'aluminium. L'aluminium, le copper, voilà, le copper, l'étain directement. Donc ça, c'est vraiment un coup de petit minerai à chaque fois. Parce qu'on serve un minage.
Y as-tu mis un endroit qui dit ben, pense à d'autres choses? Bon. Bon, on est encore tranquille un peu, on est rendu juste à 10h34. Là, c'est bien rempli, hein. Juste 11 diamants. Et, par rapport, je crois que j'ai déjà un stack à quelque part. Même pas. Mais je dois être pas loin d'un stack, là. Surtout le charbon qui est très gâchette rapide sur le. Sur. Le stack, parce que c'est plus facile à stack, celui-là, le charbon plus rapide. Après le deuxième, ça doit être le fer. Le fer qui est à. Ah ouais, le fer bat le charbon. Hein. C'est fini à ce niveau-là. Je devrais vendre de l'acier. Mais bon, de l'acier, c'est pas rentable à comparer du fer. Souvent, ton fer 1$. Bon, peut-être il doit avoir un petit tweak à travers, genre. Tu peux vendre ton acier moins cher. L'en tweaker un peu. En plus, j'ai plein de bois en réserve, donc si je veux me faire de l'acier, je peux en faire. Pas du bronze. Malheureusement, le bronze, trop nul. C'est trop nul. Tout le monde oublie le bronze parce que tout le monde s'en fout du bronze. Parce que ça, je vois personne vendre du bronze parce que c'est tellement particulier. Genre, ok, l'acier, il y a énormément de machines qui demandent de l'acier compressé. Mais du bronze compressé, rien. Il y a une machine qui prend du bronze compressé, puis c'est l'électrique compresseur. À part ça, aucune utilise ça. Ça montre à quel point que ce minerai complètement ce minerai-là est tellement useless. Mais tu peux toujours le recycler. Ça, si tu peux le recycler pour faire des circuits, ça marche très bien. Puis ça te libère un peu de place pour d'autres trucs. Donc si tu as énormément de tin puis de cuivre, let's go pour faire des circuits voyons à moindre coût parce que c'est moins cher le. Bon, c'est pas moins cher le minerai parce que le charbon il est très facile à miner, très rapide à miner. Ah, ben tiens, je tombe sur une blague. Je vais me mettre à nu un peu. Voilà. Je déteste ça. Ils mettent ça à chaque fois. Je m'énerve à le faire, mais c'est pas beau. Ah, j'ai l'impression que je crois que c'est déjà été miné. Pas absolument. Ah, il y a encore ce truc-là. Je vais mettre les vignes là. T'as les petits vignes qui flottent à chaque fois. Ok, il y a vraiment quelqu'un qui est passé miner, mais il a manqué la moitié des minerais. What? Horrible, hein? Vraiment, des fois. Ah oui, tout évité, elle. Je l'aime beaucoup, ce cuivre comme ça. Ce cuivre-là, il a déjà la bonne couleur. Le problème, c'est que quand tu stacks les lingots de cuivre, ben, juste parce qu'il y a deux cuivres différents, bon, hein, si tu le fais d'un côté, ça, il n'y a pas de problème. Si tu fais de l'autre côté, ça marche pas. C'est un peu ça qui cause problème. Hein. Pourquoi j'entends le truc de Facebook tout le temps? Ça doit venir d'un autre ordi.
va venir. Ah, ben, il y a quelqu'un. Ah ouais, quand je mine, je suis une vraie machine. On me voit miner de même, je suis comme Destroy Rush. Ça doit vraiment venir d'un autre ordi, c'est qui est terrible. Pourquoi je récupère de la stone? C'est quoi ça? Je vais bugger. Ok, c'est un bug. Ah, ok. Hey, je peux me faire de la stone gratuite juste en minant de même. Je vais me vendre de la stone gratuite. J'en ai déjà plein. J'ai trouvé un exploit. Ah, c'est sûr que quelqu'un l'a pogné avant, franchement. Enfin, toutes les minerais se pognent. Y a-tu un fortune? Non, y a un steel touch. Okay, c'est un peu exploit selon moi. D'être capable de ramasser de la. De la stone. Je sais pas, je devrais vendre mon mithril. C'est vraiment un travail. Bon, ben. Je sais pas si c'est un bug. Mais ça a l'air que ça se fait, ça. Je peux ramasser la stone si. La stone dans le serveur minage, je peux la ramasser si je fais shift mina. Si je mine le bloc en shiftant. Franchement. Je vais en profiter un peu. Je pourrais vendre quelque chose. Qui est pas très cher de base, mais quand même rentable. Parce que c'est quand même un des trucs les plus vendus. Ah non, c'est la cobblestone. La cobblestone est plus vendue. C'est horrible. Bon, je vais en profiter, je vais remplir plus vite mon inventaire avec ça, puis je pourrais quitter le serveur minage un peu plus vite. Tout ça à cause d'un truc comme ça. Ok, je crois que c'est un exploit en réalité, parce que normalement c'est pas normal de faire ça. Peut-être il y en revoit dans le code. Mais sérieusement, c'était moins facile de shift. Un petit tweak. Non, je devrais parler des connecteurs. Des connecteurs chez Nvidia. Pourquoi que c'est aussi catastrophique à chez Nvidia. Hein? Déjà que ça fait couler beaucoup d'encre cette histoire-là en plus. Mais quand même, on parle de Nvidia puis qu'ils ont forcé un connecteur. Puis le connecteur a des problèmes problèmes avec le câble qui. Que ça fait cramer le connecteur. Une question de résistance. Est-ce que c'est lié à quelque chose de particulier? Non, il faut prendre le 12 volts, hein, surtout.
Je savais pas combien là. Bon ben. Je me demandais pourquoi j'avais toujours de la stone dans. Quand je faisais, sûrement je faisais shift-click à chaque fois. J'ai trouvé pourquoi maintenant. Je me croyais que c'était des blocs. Ben non, je crois que j'en en profite un peu. Au moins de la stone, ça se vend. Ça va me faire des minerais en plus. J'espère qu'ils comptent pas la stone comme des minerais parce que ça va faire dur, ça pas mal. Ah ben oui, il y a un petit exploit. Pourtant, ça augmente pas, donc. Bon, moi, c'est pas abusé. Au moins, ça augmente pas à chaque minerai. Mais je trouve que ça augmente à chaque fois. Bon, je bosse avec Patch. Mais selon moi, c'est sûr que quelqu'un est tombé sur ce truc-là. C'est tellement évident. Alors, ils ont prévu une mécanique, puis là, tu. Mais la mécanique fonctionne pas bien. Moi, ça me dérange pas. Moi, je peux revendre ma stone. Hein. Puis, franchement, le problème, c'est que c'est pas du tout rentable. Le silicone plus rentable. Hein, voilà. Le silicone très très rentable. Tu peux vendre ça à un plutôt bon prix. Puis, vendre ça à une très grande quantité facilement. L'aluminium plus dur. Comme le thym. L'aluminium puis le thym sont plutôt égales. En termes de choix, peut-être l'aluminium avec 1 $ plus cher, vraiment, c'est une marge d'erreur. Mais quelqu'un qui vend de l'adamantium, personne ne va acheter ça, c'est trop particulier, vraiment, c'est pour du basique, c'est mauvais. Le mithril, c'est pareil. Le mitrailleur, je m'en sers, ça remplace les outils en stone. Les outils en stone coûtaient rien, ben moi je vais le prendre en mitrailleur parce qu'en mitrailleur j'en ai plein puis il me sert à rien. Donc voilà, je fais toutes les minerais. Bon, moins de chances de pogner des minerais, mais plus de chances de rentabiliser d'une autre façon. Ça dérange pas parce que c'est un bon renta, ça. Sauf la limestone. La limestone, je peux la dégager, il sert à rien. La limestone, c'est. Il est là, mais il sert à rien. Genre, personne ne va faire quelque chose avec de la limestone. J'ai vu personne utiliser quelque chose pour de la limestone.
Voilà, ben. Je sais pas si ça vient de mon ordi, ça qui est horrible, c'est qu'est-ce que ça vient de mon ordi ou ça vient d'ailleurs? Seulement non. Oh, des 588 Go. Miner de Bitcoin avec. J'ai dit non, si autant de cartes graphiques, c'est pas. Chaque avec une boîte dont une marque, une. Moi donc. Donc une manque une fan. Ah, ouais, bon. Pas trop intéressant, c'est manque un ventilateur celui-là. Bon, j'ai totalement d'autres choses, hein. On va retourner sur nos fesses. Juste finir de ce que j'ai envie de faire. De remplir l'inventaire de rush. Je sais pas si c'était voulu. À mi-chemin. Bon, ben j'ai plus de place. On va se voir s'il reste encore des minerais qui traînent. Comme certains qui peuvent oublier, mais ça n'a pas trop de l'air. Bon, pas grave, je quitte. Je retourne sur mon serveur, je suis plein. Il faudrait que je vide tout. Ah non, t'es sérieux, il va vraiment faire ce qu'il va vraiment faire un bug. Ah non, t'es sérieux. Tant pis, je suis obligé de revenir parce que. Parce qu'il a fait de la chenoute. Voilà, c'est tant pis. Voilà, ça devrait marcher. Bon, il est-tu là? Non. Pourquoi on a les yeux de même? C'est horrible. Ah ouais, faut que je me vide. Faudra que je me vide pas mal. Bon, normalement, c'est juste pour que les minerais. Donc, je vais prévoir.
Bon, je trouve que c'est facile d'en récupérer, donc je vais juste vendre 100$ puis vendre tout le stack. Là, je vais juste mettre ça, les haches, tout le bois. Même là-haut. Je devrais être correct là. T'es sûr? Attends. Wow! Ça m'a pogné par surprise. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon. Slash mine. Voilà, tout le stock est là. Bon, toutes les minerais, comment je pourrais dire, minables. N'y a pas vraiment l'espace, mais bon. Je veux juste me mettre à côté, vraiment. Ah ben, je vais rester dans le même chunk. Je veux juste foutre les minerais. Donc, les plus gros minerais. Ça. 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 Silicone, c'est non. Puis, gold. Voilà. Bon, celui de 23h, qu'est-ce qu'il y a à celui de 23h? C'est à quelle heure 23h? Celui de 23h, ça serait à 5h du soir. Bon, la stone, je peux tout de suite la vendre tout de suite. Hein? La limestone, c'est la poubelle, direct. Personne va acheter ça, personne n'a l'intérêt d'acheter ça, donc tout le monde c'est la poubelle pour ce, pour cet item-là. Du diamant. Dommage moins que d'habitude, donc ça va être moins le fun. Non? Juste checker. Qu'est-ce qu'il pourrait rester en vente? Dommage, 7 pour chez chanceux, ben c'est de l'arnaque pour l'obsidienne. Sérieusement, je peux me faire des cool generators puis faire mes trucs à chaque fois. D'autres choses que je peux récupérer? Selon moi, non. Bon, le silicone, faudrait que je passe un peu. 3, bon, je vais le vendre 2. Puis le diamant, 1$ parce que ça ferme ça comme si rien. Que du minerai encore.
Le gars est pas là, tant pis. Donc, je vais tout de suite conclure le live tout de suite. Donc, bon. Donc, pareil, le point live va être terminé. Est-ce qu'on finit avec le beau petit four? Ah, il est cuit vite celui-là en plus. C'est ça, le live est terminé. Donc, vous va retrouver la rediffusion, ça sera sur YouTube. Comment je pourrais dire d'autres choses? Prochaine vidéo mercredi. Ça va mercredi pour sûrement les connect le problème des connecteurs chez Nvidia. Donc, peut-être voir le côté, le problème physique de ce connecteur qui est. Il y en a qui voyaient, vraiment, il y en a qui voyaient en avant, disaient 100 watts là-dessus? Ben non. Bon, ben, cette vidéo-là, c'est juste une petite vidéo, c'est juste pour conclure un peu. Pour d'habitude, les vidéos configuration, ça va être pour Noël, hein, malheureusement pour le reste. Donc, donc c'est tout. Donc, je dis bye et à la prochaine.